Yo, salut à tous, bienvenue. Coucou. Hyper Jones the Game, terrible. Oui, parce qu'en fait, on est sur Holy Cube. On n'est pas venu là que pour papoter. Salut les gamers, je veux dire bonjour. Hop là. Bon, alors, Holy Cube, donc nous allons aujourd'hui faire quelque chose. On va aller pranker quelqu'un, parce que je l'ai pas forcément montré en stream ou en épisode. Je vous recommande d'aller voir sur la chaîne de Magic. Ils ont fait une petite prank avec Ika. Ils ont transformé l'ensemble des routes que vous avez ici en route arc-en-ciel. C'est terrible, c'était affreux. Du coup, on va aller se venger. J'ai déjà prévu un certain nombre de choses, voilà. Donc on a pris quelques petits shulkers. Ou alors que je vois une Madame Tungsten qui court au loin à travers la verrière. Elle se sauve. Et revenez. Ouais, parce qu'on s'est organisé. Mais vous allez voir ça, vous allez voir. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. J'ai pas mis de musique de fond d'ailleurs, je viens de capter. D'accord, je peux chanter Every night in my dreams. Je viens d'en mettre une. I see you, Non, c'était pour être sûr que la magnifique voix que j'entendais venait bien de ce côté-là. Ah ben. Faut pas le dire à Tutu, mais en fait, ce casque, il annule le son. Et du coup, quand elle chante, je l'entends pas. Et on revient dans le jeu. Allez, c'est parti. Ouais. C'est bon, on a ramassé le poulet. Alors, c'est pas là qu'on va, c'est juste à côté. On va faire un truc en rapport avec World of Warcraft, parce que il se trouve que Magic n'est pas là sur le serveur en ce moment, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le pranker aujourd'hui. Parce qu'il joue à WoW. Et oui, parce qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie. Moi, je suis très jaloux parce que j'aime beaucoup World of Warcraft et je vais pas juste pas avoir le temps d'y jouer, en fait. Donc du coup, j'ai envie de faire du WoW, mais je peux pas faire du WoW, vous comprenez? Il faut que je pranke Magic. Et là, il y a les deux neurones qui se sont touchés. Ça arrive pas souvent, hein, mais ils se sont touchés et je me suis dit, je vais faire un prank World of Warcraft. Zanzag, ouais. Ils se touchent les neurones. C'est fini, oui. Du coup, j'ai prévu une petite casquette de la Horde. Monsieur Magic, il se trouve qu'il joue de la Horde, donc c'est une bonne personne. Donc on va pas le pranker trop méchamment, déjà. Il aurait joué l'Alliance, ça aurait été autre chose. Mais là, ce qui est un peu dommage, c'est que comme Monsieur Magic, il est parti et qu'il n'est plus présent, on voudrait s'assurer que ce territoire ici reste du côté de la Horde. Du coup, on va faire un petit avant-poste dans une faction que j'aime bien. Une faction de mangeurs de salade. On va faire un bastion F200. J'ai fait un peu de repérage déjà hier soir et j'ai construit cette petite plateforme que vous pouvez voir ici là, hop, sur laquelle on va s'installer. Donc ça fait un petit promontoire un petit peu défensif qui va donc permettre tout simplement d'établir notre avant-poste. Hop, allez, bon, on est parti, on va construire. Pranker Monsieur Magic, on va se venger. Tu me regardes bizarre, donc je vais arrêter. On se retrouve donc après ce petit timelapse. Comme vous pouvez voir, c'est la guerre chez Magic, puisque rien n'est éclairé. Mais je tenais juste à vous montrer qu'en fait, on avait tout simplement en fait fini la prank. Bon, c'est bon, il y a quelqu'un qui a passé la nuit. Merci beaucoup à lui. Donc, je disais, avant qu'on se fasse interrompre par cette horde de zombies, j'ai signé la prank, hein, pour que Magic puisse tout simplement savoir qu'il l'a fait. Donc voilà ce que j'ai mis. Bonjour, Monsieur Magic, suite à votre absence pour jouer à ce super jeu qui est World of Warcraft,
minutes, nous avons pris l'initiative de sécuriser votre zone pour éviter que nos ennemis de l'Alliance ne s'emparent de vos terres durant votre absence. Opération financée par la Unicorp signée Lord Thermerteron. J'ai quand même mis Unicorp, voilà, comme ça il va deviner que c'est nous, bien évidemment, parce que Unicorp, il n'y en a pas 36 d'ailleurs. Unicorp, c'est pas grave, ça restera comme ça. Et Lord Thermer, pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement du lore, hein, d'en haut, c'est le chef des elfes, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de lore, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté pas mal de petites décos. On l'a pas forcément beaucoup vu dans le timelapse, donc je vous le montre. Mais j'essaie de rendre le truc un peu vivant, avec voilà, des petits ateliers, des petites forges et tout. Donc on prank, mais on fait ça bien jusqu'au bout. Il y a même un puits et tout. Les intérieurs sont full décorés. Enfin voilà, on s'est fait plaisir. Et je pense que c'est une prank qui parlera bien à Magic, vu qu'il y a un très bon joueur de WoW, donc ça va être plutôt cool. J'ai hâte de voir sa réaction sur le sujet. Donc c'était juste une petite prank, voilà, pour se venger de l'opération arc-en-ciel que Magic avait fait chez nous. Et je suis plutôt content du résultat. En plus, moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs de quand je jouais à WoW et tout. C'était un petit épisode assez court, mais je tenais à vous le faire pour vous tenir un peu au courant aussi de ce qui se passe sur l'IQ, vu que je ne sors pas forcément beaucoup de vidéos YouTube. Sachez qu'il y a du très gros qui arrive sur la chaîne, puisque je vais enfin attaquer, pour ceux qui sont un peu reliés à Sama, la guilde des ingénieurs, donc ça va être un gros bâtiment médiéval, et je pense qu'on fera un très gros timelapse dessus, et d'ici là, voilà, j'espère voir la réaction de Magic à la prank, je pense que ça peut être sympa. Hello. Salut Titi, merci d'avoir aidé. Ah, il m'a foutu. J'ai mis des plantes, des fleurs, des carpettes, des lits, c'est joli, Ellie. Oui, c'est joli, Ellie. Ouais. Ouais. Ah. Alors, merci beaucoup à Titi d'avoir aidé aussi, sinon ça aurait pas été possible en aussi peu de temps. Allez, des bisous, salut. À la prochaine, c'est dans Zag. Tchou.